La diplomatie sécuritaire ivoirienne se déploie aux États-Unis avec le ministre Diomandé Vagondo au State Department, le département d'État à Washington DC. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rencontre le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires internationales des stupéfiants et de l'application des lois. La vision de la Côte d'Ivoire à travers la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et de faire en sorte que tous les cadres des pays de la sous-région puissent se former à la lutte contre le terrorisme. Dans cette vision, les États-Unis nous accompagnent au même titre que les autres partenaires européens pour donner le meilleur de la formation en termes de qualité et d'équipement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous avons aujourd'hui une oreille attentive auprès donc de nos interlocuteurs qui se sont engagés effectivement à accompagner notre pays dans la politique globale de sécurisation. La délégation du ministre s'est ensuite rendue au département de la sécurité intérieure. Une séance de travail avec les services en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons échangé sur les questions générales de cybercriminalité. La prochaine étape sera de renforcer davantage la coopération en mettant l'accent sur les échanges d'informations, sur les échanges de données relatives aux cybercriminels. Le ministre Diomandé Vagondo s'est aussi entretenu avec Frank Bowen, le responsable du programme antiterroriste contre les ambassades et son équipe. Objectif, discuter des propositions concrètes pour la création et le développement d'un programme spécial en matière de formation et de renforcement des capacités opérationnelles des agents en charge de la protection des personnalités. Nous avons très bientôt, au mois de janvier 2024, la Coupe d'Afrique des Nations qui va voir arriver sur notre territoire beaucoup d'étrangers, beaucoup de diplomates. Il faut que la police ivoirienne soit outillée pour garantir la sécurité de tous ces personnels. C'est l'objet réel de notre visite dans cette enceinte qui est chargée donc de former la police spéciale diplomatique. Et très rapidement, nous allons faire en sorte que cette formation puisse être dispensée à la police ivoirienne. Cette mission du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement ivoirien, à savoir prévenir les conflits, promouvoir la stabilité et surtout faire face aux défis sécuritaires qui s'annoncent.